Salut mes petits mogis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, oui, pour votre petite review de l'épisode 956 de One Piece. Ouais. Et pour le coup, le dernier épisode de cette année, et peut-être même la dernière review d'épisode tout court, pour le coup, voilà, vu le peu d'intérêt que cela suscite, hein, tant en termes de vues qu'en termes de commentaires. J'ai envie de te dire si ça vous suffit. Voilà, moi, c'était pour combler votre petit manque de One Piece ou pour vous donner un petit peu plus de matière. Tu vois, c'est comme les petites vidéos théoriques que j'ai fait. Mais bon, si vous voulez qu'on se cantonne aux reviews, bah, écoute, il n'y a pas de live action des chapitres. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bon, on verra comment tout ça évoluera justement l'année prochaine, mais on en reparlera dans la fameuse vidéo du 31. Donc. Ne la loupez surtout pas quand elle sortira. Ce sera un bon gros bilan des familles de cette année et des petites projections par rapport à l'année prochaine. Reprenons donc ce qui s'est passé au cours de cet épisode 956. Et franchement, encore une fois, en termes d'animation, ça claquait sa mère. Donc, dernier épisode aussi de l'acte 2 de Wano. Donc forcément, je vous annonce, on est et vous n'êtes pas prêts pour la suite. Voilà, accessoirement, voilà, directement d'emblée, déjà rien que tu as vu l'après-vous, je pense que t'as dû, voilà, ça a déjà dû te donner une petite idée de la suite justement de ces festivités. On a Sanji qui apprend justement que Zoro a sauvé la vie de Iori, la sœur de Momonosuke, tu vois, donc petite scène de jalousie, tout ça, tout ça. Et puis Momonosuke qui prend conscience que sa sœur a pris 18 piges dans la gueule, et du coup forcément ça lui met des coups de pied dans la gueule, bah, ça va être un peu plus compliqué. On a la suite et la fin des entraînements de Zoro et de Luffy. Voilà, c'est quand même important de le préciser. D'ailleurs, pour Enma que Zoro récupère, on en parlera un petit peu après. L'âme assez puissante qui va lui permettre aussi, lui aussi, de pouvoir utiliser le Ryuho. En tout cas, comme bah, c'est dit explicitement dans l'épisode, hein. Je pense voilà, que vous avez bien capté ça aussi. Et donc, quand tu vois que Luffy galère encore une fois à s'entraîner, même s'il semble l'avoir plus ou moins maîtrisé, sinon il ne serait pas retourné à Kuri sans avoir terminé, parachevé son entraînement, même si bon, la date limite arrivait. Et d'un autre côté, bah, Zoro, lui, en fait, c'est son sabre qui va directement lui pomper tout son équipement d'armement et qui va produire justement le Liu. Donc ça aussi, ça promet de belles et plein de bonnes petites choses. Et au-delà de ça, il y a plein de petits détails, franchement, qui ont fourmillé, qui étaient vraiment croustillants et délectables, surtout pour la suite. Déjà, rien que Enma et le Wado Shimonji, bah, ces deux sabres sont connectés, vu qu'ils ont été forgés par le même forgeron, à savoir donc un héritier justement du clan Shimotsuki, si on peut le dire comme ça, enfin un membre du clan Shimotsuki, dont sont liés pas mal d'autres persos, mais on sera amené à en parler plus tard, voilà, c'est pas si important que ça de l'évoquer maintenant, mais voilà. Tout ça n'est pas un hasard. Bah, si je peux vous le dire, Koshiro, le maître de Zoro et le père de Kuina, est un Shimotsuki, voilà, fait partie de est affilié à ce clan-là, donc tu vois, ça commence à faire beaucoup, et ça pose quand même quelques petites questions, voilà, ça je dirais. Au-delà de ça, point justement, encore une fois, très 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 important, il y a le second sabre, justement, d'Oden Kozuki, tu vois, pour le coup, le sabre de Momonosuke, qui lui a été forgé par notre cher petit Enguyama Itetsu, qui remet, d'ailleurs, Enma à Zoro, qui avait gardé, justement, les sabres d'Oden bien au chaud depuis tout ce temps-là. Autre petit détail, si vous avez été très observateur, Okiku rapporte le Nidai Kitetsu à ce cher, justement, Tenguyama Itetsu. Tu vois, donc encore une fois, là aussi, ça fait sens. Et Zoro capte, parce qu'en fait, il se posait pas mal de questions au tout début de Wano quand il était avec Luffy. Oh, c'est quoi ce Katanakta? C'est quoi ça, tout ça et tout? C'est quoi? Et là, pour le coup, il sait que c'est un Kitetsu et il sait qu'il possède. Wano n'est pas encore terminé, mais je spécule très très fortement que le Sendai Kitetsu va se casser. Pour une raison ou pour une autre, peut-être lors d'un combat, hein, très certainement, on verra bien, et que Zoro récupérera justement le Nidai Kitetsu à l'issue de Wano. Alors je sais pas quel autre sabre il gardera, quel autre sabre vont péter, tout ça, hein, on verra bien. Se trouve, il pourra même peut-être récupérer Shushui. Bah moi, je le vois bien garder le Wado Shimonji jusqu'à la fin, tu vois. Alors Enma, on verra s'il survivra justement à cet arc-là, voire même s'il deviendra une lame noire, parce que s'il devient une lame noire, c'est encore plus bénéfique justement pour l'histoire. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même important de souligner ces aspects-là. Et Zoro a récupéré un katana plus que balèze. Je pense que vous en êtes bien rendu compte quand tu vois justement à quel point le sabre était capricieux et le fait que, bah, comme Kinemon le précise justement, voilà, moi je serais toi, je le prendrais pas. C'est pas un katana qui est fait pour tout le monde, tu vois. Il est aussi plus ou moins un petit peu maudit, hein, voilà, comme le Kitetsu. Hein, d'ailleurs, c'est voilà, Tenguyama le précise très justement. Et quand tu vois justement comment il coupe la falaise super facilement avec, tu vois, voilà. Faut le maîtriser, il faut réussir à le dompter, le boug. Et franchement, bah, en termes d'animation, je trouve que ça a été parfaitement bien géré et que c'était des passages qui étaient extrêmement attendus. Et franchement, hein, magnifique. J'ai absolument rien à redire de négatif vis-à-vis de comment tout cela a été traité en termes d'animation. Parce que c'était quand même des points importants. En parallèle, alors il se passe beaucoup de choses aussi dans cet épisode. Il y a beaucoup de transitions, le temps passe aussi. Justement,
Donc, quand on voit les fours rouges qui continuent justement d'avancer et de se préparer justement, encore une fois, voilà, à l'invasion d'Onigashima, le jour du Festival du Feu, d'ailleurs, on est pratiquement à la fin de l'épisode, le fait qu'il y ait pas mal d'alliés qui aient été récupérés, mais ils sont encore drastiquement inférieurs en nombre, hein, quand tu vois plus de 30 000 pour Kaido avec les hommes d'Orochi en plus. Contre, enfin, 30 000 pour eux contre 4 200, voilà, en tout cas pour ceux, pour les alliés ralliés à la cause justement des causes, ceux qui n'ont pas oublié en fait, tout simplement. C'est vrai que bon, ça fait un petit peu léger, mais quand tu vois quand à quel point ils sont contents, ouais, on a gagné 200 pélons en plus, vas-y, on est refait. Bon, après, tout dépend encore une fois de la qualité du soldat, il y en a qui doivent valoir pas mal de soldats à eux tout seuls, j'imagine, mais en tout cas, non, franchement. Plein de bonnes choses en perspective et ça annonce du sale. Ça annonce du... Enfin, ça, je peux pas trop rentrer plus que ça dans les détails, sinon je risque de vous spoiler, mais voilà, tu vois, pour ceux qui suivent uniquement que l'animé, encore une fois, vous savez ce qu'il en est, franchement, plein de bonnes petites choses en perspective. Autre petit point, alors oui, on a Tonoyasu et Pedro qui sont enterrés, alors Pedro, c'était plus symbolique, hein, pour le coup, voilà, comme quoi il a une sépulture. Alors, on a vu que l'émotion était très présente chez Sicilian. Carotte, bien sûr, et puis surtout Wanda, voilà, qui était aussi très très proche de lui. Et Tonoyasu, qui est enfin enterré, et surtout, Otoko qui peut enterrer son papa, tu vois, c'était quand même important à souligner, tu vois. Bon, c'était très beau pour la symbolique, même si c'était une scène qui était pratiquement pas animée et tout, tu vois. Alors, peut-être que Oda Sensei n'a pas eu suffisamment de temps pour pouvoir la développer, ça aurait pu prendre un chapitre entier, hein, tu vois. Mais voilà, bon, on aurait pu voir un petit peu ça, mais voilà, tu vois, c'était important. Et je pense que j'ai fait justement à peu près le tour de tout ce qu'on a vu justement vis-à-vis de tout ça. Ah oui, point important quand même, putain, j'avais oublié le plus important. Visiblement, notre petit Orochi semble avoir une taupe très très bien informée et très très bien infiltrée, surtout vu que il est déjà au courant de la suite de l'évolution justement de leur plan. Et même si on ne l'a pas encore vu bouger, il semblerait qu'il va agir en conséquence. Donc tu vois, tous nos compagnons sont contents, heureux, tout ce que tu veux. Mais ça va quand même être compliqué. Tu t'en doutes bien vis-à-vis de tout ça. Et au-delà de ça, justement, fin d'épisode, ça aussi j'ai beaucoup apprécié. On a eu un petit. On a un petit peu brisé le quatrième mur, si on peut le qualifier comme ça, avec Luffy et Chopper, qui nous ont remercié, nos fans de One Piece, vis-à-vis de la sortie du 1000e chapitre qui arriverait courant 2021. Bon, même si nous, peut-être, on l'a eu un petit peu avant, voilà, t'as capté l'idée. Mais voilà, c'était quand même assez sympatoche, assez cool, assez plaisant. Et voilà, tu vois, pour la symbolique, je trouvais ça assez beau. Surtout que, avec la preview qu'on a juste derrière. Crois-moi, 2021, vous allez surkiffer. J'ai vraiment, vraiment hâte. Et là, même si on arrête entre guillemets les reviews, il y aura des live action de très, très gros épisodes. C'est sûr et certain. Voilà. Il y aura peut-être plus systématiquement des reviews toutes les semaines. Voilà. En tout cas, il y a beaucoup d'animes aussi qui vont reprendre en début d'année et qui auront pas mal de choses justement à traiter sur la chaîne. Et on reprend du coup les deux commentaires de la dernière fois. C'est parti. Let's go. Le moment Hawkinslow était très dur à supporter, très très fort. Ouais, écoute, ça peut se comprendre. Si l'équipage de Kaido et Big Mom formeront maintenant une alliance, l'alcool c'est très dangereux pour la santé à consommer avec modération, ouais, sinon ça fait dire des conneries. Les épisodes One Piece reviennent le 10 janvier, mais ils ont bien mérité la pause. Bah oui, comme pour pas mal d'animes, pas mal de chapitres, tout ça, tout ça. Quand Law a parlé au personnage justement dans le noir et qu'à la fin on ajoute des petits effets au montage, ça m'a fait rire, ça m'a fait penser au film Hindou MDR. Ouais, mais bon, c'est pour pas cramer justement le bail de la personne qui a laissé Law partir. Voilà. D'ailleurs, Shinobu, elle nous redonne une petite allusion durant l'épisode. Ouais, Law, finalement, on s'en fout, tout ça et tout. Okay. Bon, on peut la comprendre aussi, mais un petit peu salaud quand même vis-à-vis de leurs alliés, tu vois. Surtout que c'est une force en présence clairement non négligeable. Trafalgar, dit Waterloo, donc respectez-le un petit peu. Merde. Bref, moi en tout cas, j'espère que cette petite Rayo vous aura plu, comme d'hab, j'ai pris énormément de plaisir à vous la faire. Je vous dis avec beaucoup d'impatience rendez-vous et à l'année prochaine pour la suite de One Piece en anime et en chapitre. D'ici là, restez connectés, prenez soin de vous, faites pas les fous, passez de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Ça en a.